Salut les aviateurs. Vous voulez mettre un peu de piment dans vos vols en local ? Eh bien la chaîne Aviateur vous propose un jeu de chasse au trésor dont le but est de découvrir des sites archéologiques cachés dans le paysage, comme le faisait l'archéologue picard Roger Agache dès les années 60. L'archéologie aérienne a été inventée dans les années 1920 en Syrie par un aviateur prospecteur, Antoine Poidebar, qui, en cherchant des sources d'eau dans le désert syrien, a été le premier à constater qu'on pouvait voir en lumière rasante la trace de vestiges enfouis dans le sol. Il a notamment contribué à l'exploration archéologique de sites prestigieux comme Palmyre. Le principe de ce jeu est simple. Il s'agit d'arpenter votre région en avion et de rechercher au sol des indices révélant des structures archéologiques plus ou moins anciennes enfouies dans le sol. Moi j'ai décidé de fixer ma caméra GoPro Max 360 sous l'aile du Jodel sur le crochet de parc. Mais on peut aussi faire des prises de vue depuis le cockpit avec l'aide d'un copilote. Allez, moi je suis parti pour un petit repérage. Notre terrain de jeu ici sera la Picardie. La région fourmille de sites et elle est très bien documentée par les sociétés d'archéologie et les archives des ministères de la Culture et de la Recherche. C'est d'autant plus simple que Roger Agache a répertorié des centaines de sites au cours de sa carrière. Le jeu comporte trois niveaux. Pour le niveau débutant, vous pouvez repérer des sites à un point. Il s'agit de sites identifiés dans les guides touristiques, souvent mis en valeur avec une exposition permanente et quelquefois un musée ou un circuit d'interprétation. Par exemple, j'ai reconnu le site de la Villa Buffos à Verneuil-en-Alatte sur les berges de l'Oise. Ce site n'est pas très impressionnant car il est coincé entre un terrain de foot et un parking d'entreprise. Beaucoup plus impressionnant vu du ciel, l'antique agglomération de Briga dans la forêt 2 à proximité du Tréport Aéro. Ce site a d'abord été fréquenté à l'âge du bronze, puis s'est romanisé jusqu'à la fin de son occupation, au 3e siècle après Jésus-Christ. La vue du ciel est très graphique et vaut le détour, en complément des images aglanées sur les falaises toutes proches. J'ai aussi filmé de très beaux amphithéâtres gallo-romains, à Champlieu, au sud de la forêt de Compiègne, et à Vendeuil, au sud de Breteuil, à l'autre bout de l'Oise. Autre site à valider, les fondations d'un petit temple romain en bordure de la forêt d'Alatte, entre Senlis et Chantilly. On appelle ce type de structure un fanum. Bien caché dans la forêt, le seul moyen pour le trouver, c'est le GPS. Pour le niveau 2, niveau expérimenté, on va viser des sites dont la forme ne se comprend qu'en vue aérienne. Ce sont donc des sites à 10 points. Le principe de l'archéologie aérienne est de repérer des irrégularités du sol qui témoignent de la présence de structures bâties par l'homme dans les temps anciens. Souvent, ces sites se repèrent par un micro-relief, comme des buttes ou des fossés. Avant cela, il faut rechercher des sources documentaires sur internet pour localiser précisément les sites à survoler. Dans les astuces courantes, je vous conseille de parcourir les cartes IGN détaillées sur le site du Géoportail. Pour une bonne prise de vue, on visera une hauteur de 1000 pieds, mais attention, cela ne laisse que peu de marge par rapport aux éoliennes et aux antennes. Les cartes du Géoportail fourmillent d'indices, comme par exemple la mention « Camp de César ». Ces lieux sont souvent d'anciens oppida gaulois, transformés par César en camp pour ses garnisons. Les oppidas sont de bons sujets d'observation en mode expérimenté. Leur fonction n'est pas toujours évidente à déterminer, tantôt interprétées comme des villes ou des lieux de commerce, ou des places fortes, tantôt comme des sites cultuels.
Toujours est-il qu'on les identifie grâce aux talus en forte élévation qui traversent les champs en refermant des éperons rocheux ou des boucles d'un cours d'eau. On trouve pas mal d'oppidas en Picardie. On peut illustrer cette catégorie avec un site sur les hauteurs de Gouvieux, dans l'Oise. À cet endroit, la carte indique bien un camp de César, qui est situé au bout d'un éperon rocheux à la confluence de l'Oise et de la Nonette. Sur ce promontoire, à 50 mètres au-dessus du lit des cours d'eau, les Gaulois pouvaient facilement surveiller la vallée. On voit encore le talus érigé qui ferme le site et qui est pour moitié encore en élévation et pour moitié arasé. Dès le XVIIe siècle, des fouilles y ont été réalisées et ce site était connu pour être l'endroit de l'Oise le plus riche en antiquités gallo-romaines. Les nombreuses monnaies, vaisselles, statuettes trouvées sur place ont été rassemblées au château de Chantilly. Eh bien, des sites de ce type, on en trouve dans toute la Picardie. Pour ma part, j'ai pas mal prospecté la vallée de la Somme, entre Abbeville et Amiens. Et là, j'ai fait une jolie moisson de prise de vue. Commençons par le site le plus connu, celui de la chaussée Tirancourt. Ce promontoire en pointe ouverte est barré par un talus en arc de cercle qui rejoint les deux falaises du côté de la Somme, d'une part, et de la vallée d'Acon, d'autre part. Le mur de fortification est encore bien visible et dégagé. Il est bordé par un large fossé qui accroît l'effet de dénivelé pour bloquer d'éventuels assaillants, et il était certainement rehaussé d'une palissade. Au pied de ce site se trouve un parc d'attractions hors du commun, Samara, qui reconstitue les modes de vie des hommes du Néolithique. Un peu plus loin, l'oppidum de l'étoile est très original, car il est ovale et semble bordé d'un bourrelet d'arbres, plus grand, qui marque le pourtour de la structure. Plus en aval encore, l'Hircourt-Hérondelle est l'un des premiers oppidas repérés. Depuis quelques décennies, la végétation l'a un peu recouvert, mais il reste l'un des plus impressionnants, par la longueur et la hauteur de son mur d'enceinte. Enfin, l'oppidum de Marie-Cobert, au sud d'Abbeville, est intéressant par sa forme allongée, similaire à celui de Gouvieux, et par la hauteur de ses falaises. Ceci en ajoute un autre type de vestige intéressant et remarquable, les voies romaines. Ces grandes voies de circulation se sont développées entre le 1er et le 3e siècle en s'appuyant sans doute sur le tracé d'anciennes voies gauloises. Mais ces axes travaillés et entretenus durant des siècles par le génie romain puis par les populations médiévales ont laissé des traces indélébiles dans le paysage. Un grand nombre sont d'ailleurs devenus aujourd'hui des routes départementales et nationales. Et pour notre jeu, on visera celles qui n'ont pas été revêtues par la modernité. Ici, on peut observer ce très long chemin appelé chaussée Brunehaut, qui correspond au tracé de la voie romaine qui rejoignait Senlis, capitale du peuple Sulbanect, à Soissons, capitale des Suétions. La chaussée passe par l'amphithéâtre gallo-romain de Champlieu, puis par la forêt de Compiègne. Dans la forêt, on remarque que la chaussée est matérialisée par une ligne d'arbres plus haut que les autres. Sur cette portion, une fouille réalisée dans les années 60 a révélé que cette voie était empierrée et bordée de fossés. Le premier site archéologique digne de mention que j'ai identifié par moi-même, il y a déjà quelques années, et la voie romaine au nord des Landes, entre l'estuaire de la rivière l'Aleyre, qui se jette dans le bassin d'Arcachon, et la bourgade antique de Loza. Sur une quinzaine de kilomètres, on distingue tout au long de cette trace des irrégularités de la végétation dans les parcelles de forêt de pins. Des lignes de feuillus, des buissons, des fougères,
ou des bruyères de teintes plus ou moins rousses. Dans ce cas, le repérage nécessite de faire attention à la saison et est plus facile en lumière rasante. Ce dernier exemple, par sa difficulté d'identification et la nature des indices utilisés, nous rapproche du niveau 3 de notre jeu. Mais d'abord, faisons un point d'étape sur le score à l'issue des survols de niveau 2. 5 sites mis en valeur, une villa, une ville antique, 2 amphithéâtres, un fanum, 5 points. 7 sites visibles du ciel uniquement, 5 oppida, 2 voies romaines, 70 points. Pour le niveau 3, on passe en mode expert. On va chercher des sites qui ne sont détectables que vus du ciel, sous certaines conditions et dont les traces sont vraiment ténues. Il faut être là le bon jour, à la bonne heure, ce sont donc des sites à 100 points. C'est dans les champs que se trouve le Graal de l'archéologue aérien. Le sous-sol des grandes zones agricoles est plein de stigmates des occupations néolithiques, antiques et médiévales. Mais pour les voir, il faut savoir ce que l'on cherche. Pour identifier les sites qui sont déjà répertoriés, on peut se référer aux publications de Roger Agache ou d'autres archéologues aviateurs. En général, les sites à reconnaître sont identifiés à l'aide d'un nom de commune, d'un lieu-dit, pour resserrer les recherches, et d'une photographie aérienne, ce qui permet en général de trouver l'emplacement exact avec les cartes et photos du géoportail de l'IGN. Une fois les coordonnées GPS des sites récupérées, il suffit de les porter sur votre logiciel de navigation préféré et de vérifier qu'aucune règle d'espace aérien ne s'oppose au survol de la zone. Mais même si on cherche au bon endroit, on peut ne pas voir les vestiges apparaître. Plusieurs paramètres peuvent révéler la présence de vestiges souterrains. Première méthode, utiliser les micro-reliefs qui se voient en lumière rasante au lever ou au coucher du soleil, comme le faisait Poix de Barre. Ici, vous pouvez voir sur les hauteurs de l'étoile un cercle dans les céréales révélé par une pousse plus ou moins rapide de la culture. Deuxième méthode, chercher des pierres dans les champs, sorties de terre par les engins de labour. Ce type de structure semble rare aujourd'hui, après des décennies de labour profond. Mais Roger Agache avait ainsi repéré des quantités très importantes de villas gallo-romaines dans les années 60. Nous avons retrouvé une modeste trace de l'une d'entre elles dans une culture de printemps près du patelin d'Estrée-Noailles. Autre possibilité, des marques de givre ou d'humidité dans la terre nue en hiver. En l'occurrence, c'est dans ces conditions que l'on peut voir cet enclos de l'âge des métaux, au lieu dit la dunette, près de l'étoile. Or, quand je suis passé en juin, ce n'était plus le bon moment. Rien n'apparaissait dans la culture de céréales. Au printemps ou en été, on peut aussi rechercher des zones plus basses dans la levée des cultures ou des lignes de jaunissement. Ici, on passe sur le site de Bouillancourt-la-Bataille, près d'un petit bois. Apparaît alors dans la culture, qui sort de terre, un rond ou peut-être un losange arrondi, avec un point au centre. De toute évidence, c'est un enclos funéraire de l'âge des métaux. Ce que l'on distingue, c'est la trace des fosses et des fossés qui constituent le site. En voici un autre sur le lieu-dit Caumont, sur les hauteurs de la Somme. De ces enclos, il y en a énormément dans la région. Ils font de 5 à 25 mètres de diamètre, parfois ils sont carrés. On trouve aussi des enclos bien plus grands et présentant des formes irrégulières. Ces enclos correspondent alors à des fermes dites indigènes, remontant à la période gauloise et même au néolithique. Mais on peut trouver des choses bien plus extraordinaires, comme par exemple ici, à Vandeuil-Calpy, où nous avons déjà vu qu'un amphithéâtre gallo-romain avait été exhumé.
On constate qu'en 1950, les photos aériennes ne montraient qu'une tache à cet endroit. Elle a été vue par Roger Agache avec son avion et des fouilles ont été entreprises. Aujourd'hui, l'amphithéâtre est parfaitement visible, mais on sait grâce à l'archéologie aérienne qu'un site majeur se cache sous les champs. En regardant sous le bon angle, on voit apparaître des irrégularités dans les cultures permettant d'entreapercevoir l'étendue d'une véritable ville ensevelie. On distingue même ici les détails d'une habitation. Un peu au nord, on aperçoit sur la colline un ancien fossé d'enceinte qui fermait un habitat gaulois. Voyons le score à l'issue du survol de niveau 3. On ajoute au résultat précédent une ville gallo-romaine enfouie, trois enclos funéraires, une enceinte néolithique, une fondation de villa gallo-romaine. J'arrive à un total de 675 points à la fin de cette première campagne de prospection. C'est pas si mal. En conclusion, l'archéologie aérienne, ce n'est pas forcément très difficile. Il suffit de savoir ce que l'on cherche, les méthodes pour l'identifier, les périodes et les heures propices. On trouve alors assez facilement des sites surprenants qui nous renvoient jusqu'à 2500 ans en arrière. Notez que les coordonnées des sites présentés sont disponibles dans une fiche rando aérienne dont vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Maintenant, c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à partager des liens vers vos propres vidéos d'archéologie aérienne dans les commentaires. A bientôt sur la chaîne Aviateur et bon vol à tous.